nous fait une réponse qui m'est difficile de faire. C'est que non, nous n'avons pas été surpris. Nous savions que des ultra-violents venaient participer. Le problème, c'est que la stratégie, le changement de doctrine, pour prendre un terme un peu technique, que nous avons décidé entre le 1er et le 8 décembre, que j'ai décidé, que j'ai élaboré en allant consulter les policiers à la base, les organisations syndicales, pour changer en profondeur la façon dont on gère l'ordre public sur Paris, n'a pas été mise en œuvre. Cette stratégie-là n'a pas, samedi, été mise en œuvre. Souvenez-vous des images du 8 décembre. Il y a eu de la casse. Mais dès qu'il y avait la casse, il y avait une force rapide d'intervention de nos policiers qui neutralisaient ce qui cassait. Comme secrétaire d'État, comptable de la sécurité, vous avez vécu ça comme un échec samedi, vous, personnellement ? Écoutez, moi, je suis... Il y a eu des dysfonctionnements. Moi, je suis en charge des questions d'ordre public et de sécurité. Oui, forcément, c'est un échec. Oui, c'est un échec, mais il faut... Je veux souligner tout ce qu'on a fait depuis le début. Et puis, tout ce qu'on va faire maintenant pour améliorer les choses. Voilà. Mais on est toujours déterminés, on est au poste. Moi, je regarde les difficultés, je les regarde en face. J'ai pas l'habitude de tourner le dos quand il y a des difficultés. Nous mettrons en œuvre une stratégie renforcée de lutte contre les militants des mouvances ultra. Dès samedi prochain, et chaque fois qu'il le faudra, nous interdirons les manifestations se revendiquant des gilets jaunes dans les quartiers qui ont été les plus touchés, dès lors que nous aurons connaissance de la présence d'éléments ultra et de leur volonté de casser. Je pense bien évidemment aux Champs-Élysées à Paris, à la place Péberlan à Bordeaux, à la place du Capitole à Toulouse. Cela se fera naturellement. Vous vous rendez compte que ces deux personnages sont fiers, ils ont utilisé ce mot, que quelqu'un ait mis le feu à un immeuble d'habitation au risque de voir périr des familles entières à l'intérieur. Et ils sont fiers. Ce sont des révolutionnaires d'opérette. Mais ce sont des révolutionnaires dangereux. Parce qu'au fond, ils en appellent, ils alimentent cette violence. Et après, ils disent « pas vu, pas pris ». Monsieur Drouet, quand il a été interpellé une fois pour une manifestation qu'il a organisée, il nous a dit « ah non, j'allais au restaurant ». Il n'a même pas eu le courage d'assumer sa responsabilité. Et je souhaite non seulement qu'il y ait des poursuites pénales, mais il faut aussi qu'ils assument financièrement la casse. Ils invitent à la casse, ils la félicitent, ils l'encouragent, et ils sont heureux de l'avoir. Et à un moment donné, je souhaite aussi que leur responsabilité, et c'est la demande du Premier ministre à la garde des Sceaux, puisse être engagée sur leur denier personnel. Sur leur denier personnel. Bien sûr, parce qu'ils sont responsables de la casse. Et donc, si c'est établi, s'il y a une sanction, il faut aussi que non seulement il y ait une sanction, mais qu'ils remboursent. Il n'y a pas de raison que ce soit l'impôt, le contribuable, qui paye la casse. J'étais fier de voir que les gens ont arrêté d'être des moutons. Alors oui, ça amène des destructions, oui, ça amène énormément de choses qui sont regrettables. Le prochain truc à faire pour moi, c'est le blocage des ports et raffineries. Et que tous les gilets jaunes se mettent que là-dessus.
Et en 3-4 jours, à mon avis, c'est plié. Il faut poursuivre, Eric Drouet, il faut poursuivre, Nicole. Je faisais exactement pareil que juste la question juste avant sur la manière dont le gouvernement a pris ce mouvement et a essayé de l'amalgamer aux violences. C'est une erreur en fait fondamentale d'analyse. Je pense qu'ils sont en train de confondre la cause et le symptôme. C'est-à-dire que Éric Drouet et Maxime Nicole ne sont pas les causes des violences. Ils sont les symptômes en fait de ce mouvement-là. Ils sont en train, moi je les écoute parce qu'ils sont intéressants à écouter parler. Ils traduisent, ils expliquent très exactement ce que pensent. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont un aussi grand succès. Ce que pensent les gens qui sont dans la rue, qui sont encore dans la rue en tout cas. L'expression de la violence sociale ressentie se retrouve très bien dans leurs propos. La radicalité des gens du mouvement se retrouve très bien dans leurs propos. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire avancer dans le débat en allant taper ces pauvres gens qui, en fait, à la vérité, ne sont pas dangereux. Voilà. Je suis désolé. C'est pas parce qu'ils disent qu'il faudrait bloquer des raffineries, qu'il faut continuer à se mobiliser, etc. Ils sont pas dangereux, en fait. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la violence, on voit très bien, la violence concrète, physique, on voit très bien d'où elle vient, par qui elle est faite, et que contre ces gens-là, on n'entend rien. Donc je suis un peu révolté, si vous voulez. J'ai pas peur de Éric Drouet et Maxime Nicole. Voilà, je suis désolé. Ouais, vous avez peur de Maxime Nicole et Éric Drouet? Non, j'ai pas peur parce qu'ils n'ont pas de LBD à ma connaissance. Mais n'inventons pas des délits qui n'en sont pas. C'est-à-dire que là, dans les deux propos que je viens d'entendre, on peut les critiquer, on peut les condamner, on peut grimper au rideau. Sauf erreur de ma part, alors je ne suis pas un spécialiste du maintien de l'ordre ni des poursuites judiciaires, ça ne tombe pas sur le coup de la loi. C'est-à-dire que ce n'est pas un appel, il n'est pas en train de lancer un appel à la haine, ça c'est circonscrit par un certain nombre de mots, ni un appel direct à aller casser, que sais-je, des vitrines ou l'Arc de Triomphe. Donc bon, très bien, ils sont effectivement à 100% pour le mouvement. Ce n'est pas suffisant pour les mettre en tôle quand même. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a un autre aspect du problème qui est aussi une erreur, je pense, depuis le début du mouvement fondamental, c'est que le gouvernement et tous ceux qui s'y sont opposés, ont joué essentiellement sur l'argument de la peur et de la diabolisation. Ça ne fonctionne pas, il faut leur expliquer une bonne fois pour toutes, j'espère qu'ils vont le comprendre un jour, que ça ne marche pas, au contraire en fait. Ça a donné une popularité incroyable à ces deux leaders qui tout à coup ont été des adversaires politiques du gouvernement identifiés, etc. Quand même, le chef du gouvernement italien est allé jusqu'à les rencontrer. C'est quand même pour imaginer l'argument, comment dire, la force politique qu'ils ont donnée. Leader du mouvement 5 étoiles, vice, pas premier ministre, mais en tout pardon, cas... excusez-moi, oui, Luigi Di Maio. Vice-président du Conseil. Désolé, voilà. Pardon pour l'erreur, mais c'est, on a créé des stars, en fait. C'est ça qu'il faut qu'ils réalisent. Et que, par ailleurs, la diabolisation est, comment dire, une défaite de la pensée. Expliquer aujourd'hui que le gouvernement, qui donc a quand même la main pour légiférer, va décréter ce qui est possible de dire et pas dire, et ce qu'on a le droit de mettre sous le coup de la loi, de judiciariser ou pas, c'est quand même... Pardon, c'est quand même grave. Ces gens-là ont quand même une liberté d'opinion, ils ont le droit de... Et si on les écoute pas, on comprend rien à ce mouvement. Bon, bah, en fait, on voudrait les faire taire, c'est très bizarre.